Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous recevoir, retrouver ce soir après deux émissions, lundi et mardi. Et ce soir, c'est le débrief politique. Merci à tous d'être là. On est presque 138 000 sur la chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. C'est toujours un plaisir que de pouvoir discuter ensemble, chers amis. Merci à tous. Euh, je voulais également euh, vous remercier puisque les ventes de mon livre continuent fort bien et vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes complètement dingue. Euh, de d'acheter ce livre pratiquement je crois près de 6000 exemplaires vendus je sais pas j'ai pas tous les chiffres en tête mais c'est absolument colossal bien sûr à part les passages dans les médias alternatifs euh, que vous connaissez chez les copains, euh, bien entendu, qui m'ont donné la parole, eh bien, bien sûr, aucun grand média ne m'a appelé comme tous les autres. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à acheter ce livre. N'hésitez pas, c'est encore le cas. Euh, merci en tout cas donc, de m'avoir porté et de porter ce livre euh, dans euh, des sphères que je ne pensais pas possible. Merci à tous en tout cas d'avoir acheté ce livre. Et, et n'hésitez pas, pour ceux qui veulent l'acheter, vous pouvez l'acheter sur Amazon, je sais, mais on permet de, ça nous permet de distribuer et d'utiliser aussi les armes euh, de l'adversaire et également sur le site de Pouch Media donc merci pour ça voilà ce remerciement c'est effectivement que je l'ai pas fait et vu que vous continuez à l'acheter massivement merci beaucoup euh, Te débrief politique ce soir je veux absolument qu'on aborde une question qui m'a gonflé mais gonflé. Euh, ce matin, alors je vais être très clair avec tout le monde, vous savez que je suis affilié à aucun parti politique, je n'ai aucune étiquette nulle part, euh, je suis seul euh, bien indépendant et ça me va très bien, je suis juste, je carte euh, chez Putsch et c'est bien suffisant, seul investisseur, seul mécène, seul deux, seul mécène, seul investisseur. Mais ce matin, j'ai regardé l'interview de François Asselineau euh, sur CNews et j'ai été véritablement choqué de ce que j'ai vu. Euh, parce que euh, Aslino euh, n'est pas invi invité de nulle part et une nouvelle fois, je n'ai pas de chapelle. Euh, vers Asselineau, ni vers Philippot, ni vers dupont ni vers Kuzmanovic, peu importe, ce sont des, euh, des responsables politiques ou des personnalités politiques, chacun fait son chemin, mais là je porte un regard vraiment de journaliste et j'ai été extrêmement énervé de ce que j'ai vu et du traitement qui a été infligé à François Asselineau ce matin sur CNews. je suis désolé, euh, l'équité c'est ça, euh, pas forcément l'objectivité, mais au moins l'honnêteté journalistique de laisser quelqu'un s'exprimer, quel que soit, bien entendu, son parti politique. Et je trouve que ce matin, ça a été particulièrement odieux, puis ça a été véritablement un festival, un festival de, euh, de méconnaissance du sujet, un festival d'approximation. Euh, Aslino a parlé en tout et pour tout même pas 10 minutes, il a été coupé à plusieurs reprises par des chroniqueurs, certains avec beaucoup de sarcasme, certains se moquant de lui, euh, il serait été Philippo, aurait été euh, il aurait été n'importe quel autre, j'aurais dit absolument la même chose: je déplore simplement le traitement euh, qui a été fait de cette interview. Euh, alors, on va commencer notamment avec ce fameux temps de parole. Euh, Pascal Pro immédiatement répond à Philippe, euh, François Sino sur le temps de parole qui euh, échoit bien sûr à chaque chaîne euh, en disant qu'il y a un temps de parole limité. Je l'entends, bien entendu, mais il a été imp capable d'expliquer euh, comment se passait le temps de parole et comment on devait, à un moment donné, comptabiliser par chaîne le temps de parole, par candidat. Il s'est retourné vers son chroniqueur Florian Tardif, qui n'a pas été lui non plus en capacité de le définir. Et euh, je trouve ça euh, absolument stupéfiant, qu'on ait une chaîne privée ou publique, on doit avoir en tête très précisément... Le, euh, le processus du temps de parole, même s'il est très flou, je vous l'accorde, et j'avais reçu euh, Florian Philippot euh, il y a quelques jours qui nous en avait parlé, une espèce d'égalité qui était enfin, un peu compliquée, et j'ai trouvé ça assez déplorable. Ensuite, euh, il y a eu notamment euh, cette... Euh, cette euh, Aslino a dit à juste titre, effectivement, qu'Emmanuel Macron avait déclaré, vous le saviez notamment sur le référendum, sur euh, qu'il n'était pas pour le référendum, bien entendu, euh, euh, excusez-moi, je pense à autre chose, que Emmanuel Macron avait déclaré en 2018 que si les Français ont leur posé la question du référendum sur la sortie de l'Union européenne, euh, probablement qu'ils voteraient oui, ou du moins qu'ils se prononceraient en faveur. Et euh, quand j'entends un chroniqueur d'une chaîne comme CNews dire que si ça avait été le cas, si euh, Emmanuel Macron avait déclaré ça il l'aurait vu passer, et eh bien oui, effectivement, euh, effectivement, Emmanuel Macron a déclaré ça, on en avait parlé ici euh, et sur d'autres chaînes. Donc, je trouve ça absolument inconséquent de, euh, et, et, et assez stupéfiant de ne pas préparer ces émissions et de passer à côté d'informations euh, aussi importantes que ça, et surtout de faire passer un candidat, quel soit-il Quelque soit-il, je m'en moque, peu importe, François Stineau, Philippot, je m'en moque, Marion euh, Aubry, Marion je m'en moque. En fait, ici, il n'est pas question de défendre un candidat particulier, il est question de poser un avis journalistique sur l'interview. Ce n'est pas ma conception d'interview. Vous le savez, quand j'invite des gens, il y a beaucoup de gens que j'invite avec qui je ne suis pas forcément d'accord, mais mon but aussi, c'est de les laisser parler et de les laisser aller au bout d'une pensée construite, de manière à ce que vous puissiez vous faire pardon, votre avis. Je vous remets l'article par exemple, c'est celui-ci, Macron, et c'était le 21 janvier 2018. Macron a admis que les Français auraient probablement choisi de quitter l'UE en cas de référendum, c'était sur Marianne. Donc, je suis quand même assez surpris que des journalistes qui reçoivent François Stineau ou d'autres ou d'autres en politique, mais Asselineau, c'est vrai qu'il est invité nulle part, il faut quand même l'accorder, d'ailleurs qui sera chez moi le 29 avril à 18h, c'est calé avec les équipes de François Asselineau, comme j'ai reçu Philippot, j'inviterai Kuzmanovic, et bien sûr j'inviterai tous les candidats, quel que soit leur chapelle politique, c'est mon boulot et j'ai envie de les entendre, s'ils daignent venir, puisque certains ne veulent pas venir ici, peu importe, mais je vous remets ça, c'est quand même assez dingue de dire en plateau, notamment Florian Tardif, que si Macron avait déclaré ça, il l'aurait forcément vu passer. Eh bien oui, Emmanuel Macron a déclaré ça. Il s'agit en fait de bosser un peu, hein, de simplement bosser un peu, surtout quand on a quelqu'un qui défend la sortie, de euh, la sortie de la France de l'Union européenne. Donc, moi, je n'ai un, un regard ce soir que vraiment journalistique puisque je fais des interviews je suis journaliste indépendant depuis 17 ans donc j'en ai passé des interviews je suis à plus de un millier voire 2000 interviews donc je commence à en voir passer et euh, j'estime qu'il faut avoir du respect pour les gens que nous recevons quels qu'ils soient et surtout avoir bossé un peu le sujet de manière à poser des questions pertinentes et en, en période d'élection européenne savoir un peu comment se passe des comptages de temps de parole, des comptes des temps de parole, surtout quand on est une chaîne, une grosse chaîne, avec des millions de téléspectateurs, euh, je pense que c'est la moindre des choses. Euh, voilà, parce que je n'ai pas compris, il y a un temps de parole, donc euh, le temps de parole de Marion Maréchal, de Valérie Ayer, ce débat qui s'est déroulé il y a deux, euh, deux jours, euh, comment ça se passe le temps de parole On ne leur a pas dit, il y a un temps de parole, il va falloir, le temps de parole a été équitable entre les deux candidates, mais que ça se passe comment par... Donc tout ça est très confus, et je suis quand même… Je suis quand même assez, euh, assez chafouin par rapport à ça, et une nouvelle fois, il n'est pas question ici de soutenir ou de ne pas soutenir, de pas de soutenir à François Sino comme tous les candidats, mais je trouve que c'est euh, absolument regrettable. De euh, ce qui est regrettable, c'est de ne pas donner sa chance au débat démocratique, euh, bien entendu, parce que c'est quand même malheureux euh, d avoir, de devoir en arriver là. Et puis les sarcasmes et puis les ricadements de certains chroniqueurs du plateau, euh, je trouve qu'ils sont déplacés et j'aurais quand même aimé que mon confrère Pascal Pro. À un moment donné, fasse un peu la police aussi sur ce plateau, puisque euh, d'une part, ça a coupé le candidat Astino, et d'autre part, euh, les réflexions et les ricanements et les sarcasmes euh, ne sont pas du meilleur à loi, surtout qu'on ne connaît pas les sujets. Euh, voilà, donc avant de savoir un sujet, il s'agit de les bosser, les sujets, de les comprendre et d'avoir ce respect pour les invités, quels qu'ils soient, quels que soient les invités. Quand je reçois quelqu'un sur mon plateau, euh, ici sur Pooch Live ou sur Pooch Media ou sur Toxin Media, euh, il n'est pas question d'être dans un prétoire de tribunal, mais de donner la parole à l'invité, d'avoir préparé le sujet pour lequel on l'a invité, et de lui poser les questions, et de lui laisser aussi euh, la largesse de pouvoir s'exprimer tout simplement ce qu'on appelle à un moment donné l'honnêteté journalistique voilà c'était mon coup de gueule parce que ça m'a vraiment gonflé ce matin et euh, une nouvelle fois j'insiste dessus parce que euh, fasse pas le procès de dire Vidal il est pro non non Vidal il n'est rien du tout Vidal il est juste là indépendant journaliste et il pose un regard euh, qui euh, de <coughs> de journalistes et, et je pose un regard sur ce que je sais faire de mieux c'est-à-dire faire des interviews parce que j'adore ça parce que ça me passionne et que je pense qu'il faut quand même avoir une certaine honnêteté pour faire des interviews euh, j'ai connu Pascal Pro moins euh, moins virulent, moins sarcastique avec Gérald Darmanin, quand il le reçoit, puisqu'il le reçoit pratiquement chaque trimestre, je l'ai connu moins sarcastique. Voilà. Donc, euh, donc, ou avec Gabriel Attal, pareil, je trouve que quand même, il y a deux poids de mesure dans le choix, euh, dans la façon d'aborder les sujets, je trouve ça. Voilà, ceci étant passé, je voulais aussi vous montrer notamment, un dernier élément, sur le Frexit, je crois que Eugénie Bastier s'est fendue euh, d'une récrimination envers François Asselineau concernant ce fameux sondage, et eh bien le sondage, il est là. Voilà, c'est ce sondage-là. Alors, je suis allé le chercher euh, chez l'ami euh, Philippe Murer, euh, l'économiste, et c'est un sondage euh, euh, réalisé avec Variant ex-Cantar, le, le sondage Cantar Public, sur, auprès de l'échantillon de 2000 personnes représentatives de la population française. Voilà, donc ce sondage, il est là. Il suffirait en fait que faut bosser, en fait. Hein, avant de recevoir, il faut bosser un peu. Il faut aller travailler les sujets. Ça suffit pas de faire la télévision, en fait. Il suffit de travailler, lire des bouquins, hein, se renseigner. Euh, Lire les traités européens, hein, tout ça, voilà, c'est bien, parce qu'en plus on est en pleine milieu européenne, européennes. Donc la moindre des choses pour un journaliste politique qui se respecte dans ce pays, c'est de bien comprendre ce qui se passe, d'éviter de faire la chapelle et surtout de bien comprendre, euh, ne serait-ce que les organes... Institutionnel de l'Union européenne, de lire les traités fondateurs, vous le savez, on en parle ici, et de se renseigner sur le sujet, quelle que soit son opinion personnelle, mais au moins de travailler les sujets de manière à avoir un échange intéressant avec les invités et ne pas euh, faire du sarcasme parce que, et de rire ou de se moquer de lui, je trouve ça euh, absolument déplorable. Voilà, donc mon avis de journaliste, vous l'avez ce soir, et une nouvelle fois, il n'est pas question ici de défendre François Asselineau, il est question ici de poser un regard sur ce qu'ont ce qu fait les confrères ce matin euh, pour le candidat Astino. Voilà, ça c'est dit. Allez, on continue, chers amis. Merci d'être là euh, ce soir. Vous êtes sur Putsch Live. Euh, voilà, merci. En tout cas, euh, on a plein plein de choses à se dire ce soir. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais lire les commentaires, vous le savez. J'essaie, bien entendu, euh, à dur. D'ailleurs, on, euh, on aurait aimé aussi parler, enfin, que les chaînes, pas que CNews, hein, notamment, pour le coup, il je ne fais pas le procès de CNews ce soir, je, fais, je, je donne mon avis sur une émission qui a duré 10 minutes. Euh, voilà, euh, peu importe. Et je, je suis aussi critique à merde d'autres chaînes quand il faut l'être. Euh, je crois que France Info s'est fendu ce matin euh, d'un article, d'un sous-titre, notamment La Baudruche Bardella. Une nouvelle fois, euh, il n'est pas question ici de défendre bernard Bardella, il est question aussi d'avoir une certaine neutralité quand vient du service public. Donc voilà, finalement, on voit bien que euh, l'aspect médiatique des Européennes est lancé. Et euh, voilà, et que je suis euh, très content que vous, vous finalement vous alliez vous informer sur des chaînes comme la mienne ou sur d'autres chaînes, de manière à ne pas avoir la soupe qu'on vous sert un peu partout. Voilà, concrètement, allez, on continue. Quid des débats sur les européennes Idem, on aurait aimé avoir un grand débat un soir sur le TF1 ou France 2 avec tous les candidats, tous les gens qui vont poser leur liste. Euh, tous les gens, euh, voilà, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ou du moins la droite conservatrice, qu'on ait tout le monde, de manière à ce qu'on puisse avoir euh, des débats, qu'on puisse que les Français qui, qui, qui choisiraient de regarder euh, ce programme puissent avoir des idées, se rendre compte un peu de ce que les gens pensent, qu'on soit pour l'Union européenne, qu'on euh, euh, qu aille voter aux européennes. Euh, C'est bien aussi d'avoir ce débat-là. Manifestement, on l'aura pas, puisque... Il y a des débats, à deux, des débats, à trois, des débats, à quatre, des débats, à quatre et demi, puis à trois et demi, parce qu'il y en a un qui vient pas, chacun va faire sa petite réunion publique à droite, à gauche. En fait, on n'aura pas de grand débat. Pourtant, Emmanuel Macron est un, est un fervent défenseur, un, un ardent, euh, passionné, amoureux du grand débat. Rappelez-vous du grand blabla avec les gilets jaunes, on a eu le même avec les agriculteurs. Mais là, les médias, tous les médias confondus, quand il s'agit de faire un grand débat et eh ben, finalement il n'y a plus personne, on ne veut pas confronter, j'ai quand même l'impression qu'on ne veut pas confronter les idées et qu'on reste bien entendu dans ce dans cette espèce de marasme où c'est le « no alternative », il ne peut y avoir rien d'autre que l'Union Européenne, il ne peut rien avoir d'autre que l'OTAN, il ne peut rien avoir d'autre que la défaite de la Russie, il ne peut rien avoir d'autre que le néolibéralisme et toutes les voix qui s'éloignent de ça eh ben, ne sont pas les bienvenues. Euh, et c'est le cas un peu partout, euh, c'est souvent caricaturé. Euh, D'ailleurs, il y a des gens, quelques-uns, quelques personnalités à gauche euh, qui disent aussi des choses intéressantes sur, euh, sur la mondialisation, sur tout ça. Tout ça est caricaturé. Euh, ce n'est pas euh, concrètement euh, les signes d'un pays apaisé, d'un pays serein. Vous le savez, c'est un pays qui va au crash, et je voulais qu'on en parle ce soir, les amis. Merci d'être là. Merci Marie-Claude, merci à tous. Et n'hésitez pas à me dire d'où vous me regardez, bien entendu. Vous êtes sur Pouch Live. On est le 10 avril. On va se régaler. Allez, on est ensemble pour le débrief politique. Ça commence maintenant. Merci beaucoup. Et oui, oui, Florence. Oui, exactement. Je, je partage votre analyse. Moi, je suis pareil. Je pense qu'il faut que chacun soit respecté. Euh, voilà. Et euh, je le répète, j'insiste que chaque candidat soit respecté, candidat soit respecté et que ce ne soit pas un prétoire de tribunal. C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Et puis, je vais vous le dire. Hein. La réalité, c'est que certains journalistes estiment quand hum, en glosant sur un candidat, en usant de sarcasme, euh, de moquerie, euh, parfois même de ridicule, euh, il pense en faire faire vent pour éviter que les gens qui regardent puissent être d'accord avec le candidat ou la candidate à question. Et c'est le parti du postulat que les gens sont trop cons pour comprendre. Voilà, donc il faut parfois les orienter, les expliquer. voilà. Et, et, et je trouvais ça absolument détestable. Euh, et euh, cette idée même de penser que les Français sont trop cons pour comprendre, c'est ce qui jalonne le paysage, mé, paysage pardon, médiatique français depuis de très nombreuses années, avec une doxa, avec un prêt-à-penser. Et si on sort de là, on est, vous le savez, complotiste, conspirationniste, nationaliste, enfin. Voilà, on, on, on sait ça par cœur et en tout cas, voilà. en tout cas ici, on, on ne se prend pas mutuellement pour des imbéciles et on va discuter de ça. Allez, je voulais vous faire un, une petite vidéo parce que je voulais découper ce soir. Euh, avant l'émission, je me suis découper une petite vidéo pour vous la montrer. Vous savez, c'est ce cher Bruno Le Maire. Alors, je vais faire attention parce qu'avec le délit d'outrage en ligne, maintenant, il faut faire attention. On ne peut plus l'appeler Bruno le rigolo, on ne peut plus l'appeler Bruno le bulot. Donc, on va mettre beaucoup de guillemets à ce qu'on dit pour éviter euh, d'être inquiété. Et regardez cette vidéo, c'est Bruno Le Maire à l'Assemblée, c'est formidable. Allez, ça dure 40 secondes, on en parle après. Regardez ça, vous allez vous régaler. Un peu de silence, monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous redis, monsieur le, Je vous redis, monsieur le député, que depuis 7 ans, nous suivons une ligne de politique économique qui donne les résultats que vous connaissez. Je vous redis. On en dévier ni avec le Premier ministre ni avec le président de la République parce que quand on est capable de s'approcher enfin du plein emploi, de réindustrialiser le pays, d'ouvrir de nouvelles filières industrielles, de devenir la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe, on ne change pas de cap de politique économique. Vous nous parlez des rachats d'actions. Regardons votre proposition sur les rachats d'actions qui ont fortement augmenté au cours des années passées et qui effectivement méritent attention. Non, mais il faut vraiment avoir un mental de champion pour sortir un truc pareil, quoi. Plein emploi, réindustrialisation, on garde le cap économique. Mais 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 Bruno Le Maire, il est insubmersible, gars. Il est insubmersible. Mais, mais c'est dingue. Mais moi, je commence. Je sais pas. Il faut qu'il me donne des cours pour être insubmersible à ce point. La France est dans un crash économique sans fond. On est en train d'aller dans le mur, absolument. On va en parler de ce qui nous prévoit, bien entendu. Et non, il veulent vous dire à l'Assemblée que c'est génial et que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème et qu'on est au plein emploi et qu'il ne va y plus y avoir de chômage avec leur loi scélérate sur la, la troisième euh, réforme d'assurance chômage. Ça fait, ça fait un moment que je vous en parle. De la réforme. Je vous ai parlé la, du premier volet. Je vous, par, je vous, par, je vous ai parlé pardon, du second volet et je vais vous parler du troisième volet. Mais ces gens, je ne sais pas. Je ne sais plus, je, je, les mots me manquent. Et quand j'écoute Bruno Le Maire, franchement, les mots me manquent. Je pense que chez vous, c'est pareil. Les mots me manquent, c'est absolument dingue. Enfin, voilà. Rappelons les chiffres dette, 3100 milliards de dette. D'accord Déficit public. 154 milliards d'euros de, en France, cela représente 5,5 du produit brut intérieur, le PIB, vous le savez, et, euh, et, et constitue, bien entendu, une chute absolument stratosphérique depuis de, de, euh, en rapport avec 2022. Le gouvernement avait, a fait voter un budget insincère en fin d'année avec une prévision à 4,4, 4,4 soyons précis, et là, il se retrouve avec 5,5. Voilà, donc c'est un budget insincère, manifestement, et c'est un mensonge. Les gens ont menti. Et ils essayent pour certains de remettre ça sur l'administration qui, elle-même, à Bercy, avait euh, correctement fait son travail. Voilà. Ensuite, je voulais qu'on en parle aussi parce que euh, si je ne dis pas ça, les médias n'en parlent jamais. C'est ça qui est génial avec eux c'est qu'on est en train, euh, en, en ce moment, la France et notamment à Bercy ils sont en train de travailler sur le pacte de stabilité. Le pacte de stabilité. De la Commission européenne qui devront remettre très prochainement euh, dans les mains de la Commission européenne, puisque vous savez que nous sommes comme des enfants, tels des adolescents, sans aucune émancipation. Et nous devons remettre chaque année un petit dossier à la Commission européenne pour montrer ô oh, combien on a bien travaillé, pour montrer ô oh, combien on a bien mis en place l'austérité, pour montrer ô oh, combien on a bien paupérisé les Français, comme c'est génial, parce que sinon, ce n'est pas adapté. si ça colle pas. Au pacte de stabilité, une nouvelle fois plus largement aux grandes orientations politiques économiques. Eh ben, nous serons sanctionnés. Bon, sanctionnés pas fort parce que parce qu'avec il y a eu le plan de relance européen de 760 milliards, donc ça a un peu fait bouger les lignes. Mais concrètement, la France est dans le rouge partout déjà en, en tant que pays, mais surtout face au canon européen. Donc euh, Bruno Le Maire ira ira avec son petit costard remettre son petit dossier à Bruxelles, à Ursula von der Leyen, à Thierry Breton, vous savez le commissaire du marché intérieur à la Houppelande, voilà, donc ça aussi, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, les pistes d'austérité, la case d'hôpital public, la case du code du travail, la réforme de l'assurance chômage, tout ça vient de Bruxelles, tout ça, c'est Bruxelles, je vous ai parlé la semaine dernière des mémorandums grecs depuis 2010, il y a eu pratiquement 9 ou 10 à peu près, je vous ai parlé de tout ça, je vous ai fait le compario sur la case de l'hôpital public, sur les retraites, sur la baisse des salaires de fonctionnaires, tout ça est acté. Il y avait même, je vous l'ai dit la semaine dernière, il y avait même il y avait tellement plus de médecins, tellement plus de soignants, tellement plus de médicaments, tellement plus rien, plus de matériel, qu'il y avait des dispensaires en, en Grèce pour aller soigner, des dispensaires où il y avait quelques infirmières volontaires, ça et là. Il n'y avait plus de médicaments, plus rien. Les gens ne pouvaient pas être soignés. Les femmes arrivaient avec les enfants en bas âge. C'était voilà ce qui s'est passé en Grèce. C'est ça la réalité l'histoire. Et nous y allons tout droit. Je vous l'ai dit, nous y allons tout droit. Et je le répète, je le répéterai, Emmanuel Macron. Est est en train de vider les caisses de ce pays. En train de... Il partira pas avec la caisse. Il est en train de vider la caisse pour nous enchaîner définitivement au marché. Et pour faire tourner ce qu'il reste à faire tourner, il ira, il va venir taper euh, sur les Français, sur des taxes, euh, les taxes euh, notamment dans nos épargnes. Euh, et, et ça, c'est absolument dingue. Vous allez voir, on, on va parler de plein de choses ce soir. Donc, on a le pacte de stabilité. Voilà ce qu'on appelle les taxes sur les rentes, pardon, j'oubliais le mot. Et euh, là, maintenant, euh, la petite idée, c'est de licencier les fonctionnaires. Ah ben oui, ben oui bon, pourquoi pas ben, licen mais Bien sûr, licencier les fonctionnaires. Ce n'est pas que j'ai un amour immodéré pour toute la fonction publique. Moi-même, étant entre travailleur non salarié, je suis dans le privé. Je suis moi-même dans mon propre privé. Donc, je ne suis pas fonctionnaire. Mais. Euh, je, je trouve que là, quand vous commencez à passer euh, à, à la vitesse en disant que licencier les fonctionnaires ne doit plus être un tabou, quand la Macronie commence à dire ça, ça ne doit plus être un tabou, c'est mal engagé. Hein, parce qu'ils nous l'ont fait beaucoup, euh, l'histoire de ces plus un tabou. Donc là, on a, on a euh, Guérini, on a euh, ces gens-là qui viennent nous dire, on a eu euh, Yael Pivé qui nous a dit récemment qu'augmenter les impôts ne devait être plus être un tabou, licencier les fonctionnaires, ça ne devait être plus être un tabou. En fait, fracasser le pays, ça ne doit plus être un tabou, quoi. En fait, fracasser le pays, ça va être plus du tout un tabou. La réforme de l'assurance chômage, ça va envoyer des gens à la soupe populaire. On le dit, on le dit avec les copains poulain, on le dit avec Rémi, on le dit avec tout le monde. Ces gens sont en train d'envoyer des millions de Français à la soupe populaire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, dans la réforme des retraites. Donc je vais finir là-dessus. Donc en fait, ils veulent plus facilement licencier les fonctionnaires. Voilà. Alors, lui, c'est formidable. Et euh, alors, la question a été posée, mais je la pose aussi ce soir, tiens, à mon tour. Est-ce qu'on ne peut pas licencier Bruno Le Maire, en fait est-ce qu'on ne peut pas licencier Macron Est-ce qu'on ne peut pas licencier les ministres bon, Macron, c'est compliqué, il est, il est élu. Mais tous les ministres qui ont été nommés, est-ce qu'il n'y a pas, manifestement, euh, euh, quelque chose qui pourrait nous permettre de les licencier aussi Parce qu'à un moment donné, quand on a les résultats de Bruno Le Maire en économie, manifestement, il faut que ça finisse à France Chômage. Ça, hein il faut que Bruno Le Maire il finisse à France Chômage. Manifestement. Enfin, c'est dingue. On est, on, est, on, est, on est chez les fous. On est chez les fous. Et qu'on est. Un amour qu'on ait, un respect pour la fonction publique, qu'on en ait pas. Enfin, peu importe qu'on pense qu'il y a des tranches de fonctionnaires qui font pas le boulot. Peu importe. La réalité, ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se dire que si vous commencez à licencier les fonctionnaires, derrière… Vous pourrez avoir ce que je vous ai dit sur la Grèce. Vous pourrez avoir la baisse des salaires des fonctionnaires. C'est ça qui attend les Français aujourd'hui. C'est ça qui attend les fonctionnaires aujourd'hui. Voilà. C'est la baisse de leur traitement. C'est la baisse de leur salaire. Maintenant, ils parlent aussi du droit d'encadrer le droit de grève. Alors, j'ai regardé pour préparer l'émission, chers amis, et merci d'être là. Vous êtes près de 1800 sur l'ensemble des réseaux. Merci beaucoup. Alors, maintenant. Il voudrait, euh, il voudrait. alors ce n'est pas la main chronique concrètement, mais le Sénat a adopté en première lecture ce mardi 9 avril une proposition de loi pour limiter les grèves dans les transports pendant certaines périodes. C'est pareil que la crise sanitaire. Ah, oh, vous savez le QR code Mais non, mais pas, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais vous n'y pensez pas. Mais jamais il n'y aura de QR code. Jamais, jamais, jamais. Donc, on vous met ça, puis on vous prend ça. Puis après, c'est le bras qui y passe et vous y passez vous aussi. Voilà. Donc, quand on commence à vouloir, euh, licencier les fonctionnaires, qu'on commence à vouloir limiter, même pas encadrer, limiter le droit de grève. Il y a des gens encadrés, il faut poser des préavis, enfin, tout ça, c'est encadré. C'est des gens encadrés, le droit de grève. Limiter le droit de grève, c'est pareil que le QR code ou le clé passe. C'est-à-dire qu'au début, ça commence comme ça, on vous dit mais jamais, mais jamais, mais jamais. Et puis après, on y va, petit à petit, on y va. Donc c'est pour ça que c'est inquiétant, c'est pour ça que c'est extrêmement inquiétant, parce que ces gens sont sans limite. Sans limite. Alors que ce soit le Sénat, là. Sénat, alors le Sénat, le Sénat, euh, est-ce que c'est vous, messieurs et mesdames les sénateurs, qui vous vous êtes euh, voté une petite euh, augmentation de 700 balles euh, sur vos frais euh, de mandat généraux euh, pour faire face à l'inflation C'est eux, hein on est d'accord. Et maintenant, eux, ils veulent, euh, ils sont en train, ils ont adopté en première lecture euh, la limitation du droit de grève. Alors, oui, c'est encadré, ça sera là, pas là, il y aura plusieurs jours consécutifs, ça ne pourra pas être dans ces périodes. Quand on commence comme ça, après, on y va tout droit. On y va tout droit. On y va toujours tout droit. Et avec eux, on y va toujours tout droit. Voilà. Donc, on est toujours dans ce, dans ce, dans ce, dans ce narratif permanent, liberticide, de réguler, de, 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 de diminuer et finalement de faire payer les Français. Une nouvelle fois, moi, je pense qu'il a un moment donné, il va, falloir faire quelque chose. il va falloir faire quelque chose. Il va falloir que les fonctionnaires, notamment, prennent conscience, aussi, notamment, euh, que les Français, plus largement, prennent conscience pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience, parce que je sais que si vous êtes là, vous avez pris conscience. Euh, voilà. Aujourd'hui, le taxe sur les rendements, c'est pareil. On en a parlé, tout le monde en parle. On essaye d'inviter chacun à notre tour, des gens qui en parlent. Olivier Delamarche en parlait, Charles Gavin en parle depuis très longtemps. Euh, euh, bon, il y a, il y a Tom Benoît aussi, que j'ai reçu la semaine dernière sur Toxin, euh, qui était chez Alexis Poulain. Euh, donc, on voit bien qu'à un moment donné, euh, je l'ai dit, Emmanuel Macron crame la caisse. Il a encore besoin de thunes pour faire un peu marcher la machine, euh, pour ne pas être trop dégradé par Fitch, ils les standards d'impôts, d'ici trois semaines, hein, même deux semaines, c'est parce que sinon vous savez que les taux d'intérêt vont monter, on va en encore plus cher. Avec le scandale des OATI, la dette indexée sur l'inflation, on va se faire massacrer. Qui va payer C'est nous, une nouvelle fois. Donc finalement, les mecs ont cramé la caisse, détruisent le pays, désindustrialisent, filent un pognon de dingue à l'Union européenne, filent un pognon de dingue à tout le monde, filent un pognon de dingue à Zozo Kozlinski. File un pommier en dingue dans la fraude sociale. Et je voudrais vous faire écouter une vidéo de Charles Pratt, qui était chez l'ami André Berkov que je salue, euh, André, s'il si nous regarde. Euh, je voudrais vous faire écouter cette vidéo de Charles Pratt. Je crois qu'il était ce matin chez André, et c'est intéressant de l'entendre. Euh, et, et finalement, qui va casquer, qui va payer C'est nous, une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Donc finalement, c'est le français solvable, qui a un peu trois sous espagnols de côté, ou pas d'ailleurs, pour le coup, qui va payer, qui va avoir un déremboursement sur certains produits. C'est déjà le cas qui va peut-être avoir un déremboursement ou une prise en charge beaucoup moins, une prise en charge qui sera prise à 100% sur les ALD, je vous en parle en permanence, les affections de longue durée, quand vous avez une maladie chronique grave ou un cancer, vous êtes pris normalement à 100% par la sécurité sociale. C'est un peu euh, notre pacte à co à commun. Euh, si jamais un d'entre nous est malade, a une difficulté, notre boulot, notre, notre solidarité, notre liberté et notre égalité aussi, c'est de pouvoir subvenir aux besoins. Euh, de notre compatriote qui est dans la difficulté parce qu'il est au chômage parce qu'il est malade parce qu'il a un voilà c'est ça en fait le projet de la France depuis le début euh, avec, depuis le CNR c'est ça qui a été mis en place ce système social qui très très redistributif après il y a beaucoup d'erreurs il y a beaucoup de largesse il y a beaucoup de choses à reprendre on est d'accord mais c'est ça. Donc là, on est en train, finalement, d'aller taper euh, sur les Français en cassant le droit du travail. Je vous l'ai déjà dit, le droit du travail n'existe pratiquement plus. Euh, la réforme d'assurance chômage, on va passer à 12 mois d'indemnisation. On va probablement avoir des baisses en plus de niveau d'indemnisation. Donc moins de temps de chômage et des baisses. Alors moi, je veux bien qu'on pousse les gens à y travailler. Mais quand vous avez détruit le pays, comme ils viennent de détruire le pays depuis sept ans et bien avant, mais eux, ils l'ont carrément accéléré. Emmanuel Macron a accéléré, a détruit le pays à la main, je le dis en permanence. C'est un véritable benso Ce pays est un véritable sens social. Voilà ce que c'est. Et ces mecs lui disent bah, Vous êtes au chômage, vous, vous êtes fait virer. Je prends le cas des, 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 des gars de Whirlpool ou de Bosch ou ce que vous voulez. Les mecs se font virer où les, filles, les, les femmes se font virer parce que, parce que l'entreprise se délocalise au fin fond de la Pologne, la Moldavie, de la Roumanie, ils avaient un boulot, ils, étaient, voilà, ils avaient ce boulot-là. Ils souvent, je le dis souvent, ils, euh, leurs femmes, y travaillaient, leurs fils, leur mari, peu importe. Donc, il y avait, euh, les gens, y travaillaient, ça faisait un, bac, un bassin d'emploi, un bassin de vie, tout est grillé. C'est après la terre brûlée. Et on dit à ces gens, bah, maintenant, euh, il faut que tu te me mettes à bosser, hein, 12 mois quoi, 12 mois. Donc, tu as plus 12 mois et dans tout mois, tu rebosses. Oh, on, va te, on va te filer une formation professionnelle. Mais une formation professionnelle, dans quoi, concrètement Quand vous avez travaillé 20 30 ans dans une boîte, que vous êtes spécialisé, que vous avez des, des aptitudes pour ça, et que vous savez, que vous connaissez votre boulot et que vous avez un savoir-faire en plus, eh bien, on vous dit bon, ben, allez, ben, il va falloir se remettre. On va te faire, une... il va faire quoi Il va faire Deliveroo il va faire Uber il va faire Hitch. Mais est, on, est, on, est, on est chez les dingues. Voilà, donc ça, euh, on continue, bien entendu. Euh, euh, on est chez les dingues Et eux aussi. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous parler, parce qu'on a fait paraître une interview euh, ce matin sur putsch.media Je vous invite à la lire. Je vais vous en donner les grandes lignes d'Alain Falento qui nous parle des, euh, des pour les propriétaires, ceux qui sont propriétaires d'immobilier, de, 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 notamment propriétaires-occupants. Occupants, pas propriétaires, que vous avez un bien, une petite, une petite surface que vous louez pour capitaliser. pour... Non, les propriétaires occupants, les gens qui sont propriétaires et qui habitent chez eux. Voilà, donc ils sont en train de nous préparer un petit loyer fictif, ces gens-là. Parce que, comme Alain Falento le dit, Macron, euh, d'après Falento, déteste, on peut, y, on peut y souscrire, déteste les propriétaires immobiliers. Rappelez-vous Emmanuel Vargon, ministre du logement, qui nous disait que la maison individuelle, ce n'est plus le modèle à, à privilégier. Emmanuel Vargon, qui est aujourd'hui président de la Haute Autorité de la Régulation de l'énergie, celle qui nous avait dit qu'il fallait à un moment donné. Euh, moins de, dé... de consommer pour moins de dépenser et qui nous a dit il y a deux mois que le, le gaz était plus cher parce qu'on n'avait trop... pas assez consommé de gaz enfin, il faut les suivre hein. il faut vraiment les suivre faut... donc là on va revenir à cette idée donc finalement euh... donc, finalement il va y avoir une histoire de loyer fictif c'est à dire qu'on estimera que si vous êtes propriétaire mais si vous aviez été locataire vous auriez dû payer un loyer de temps et euh, ben, euh, ben pourquoi, pourquoi on ne vous ferait pas payer finalement Hein finalement, donc, comment ça va se faire Ça va se faire par... ça va commencer par ce que dit Falento. Je vous invite à, re, à lire son, son interview. Il est très, il est intéressant, il est très long, très détaillé, très accessible. Euh, je vais faire un résumé rapide. Mais finalement, mais pourquoi pas On n'irait pas taper ce propriétaire occupant, puisque bon, ben, ben, ils ont un crédit, mais bon, euh, voilà. Donc, on, on essaie de taxer, de trouver de l'argent partout. Et une nouvelle fois, on est chez les dingues et, euh, et on continue à, à, à vouloir aller taper. Finalement, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent les taxes sur le rendement. Donc, ils ont balancé ça il y a deux semaines. Attends, est arrivent en réunion. Oui, on peut faire ça. Puis finalement, ils ont rétropédalé parce qu'ils ont senti que le vent, le vent mauvais tournait. Et mais finalement, c'est l'idée qu'ils ont ces gens-là. Ils ont cette idée. Il reste, il reste un peu de quoi, ne en fait, pas beaucoup, hein. Mais il reste un peu de coin sur les eaux des quelques millions de Français qui bossent, qui payent des impôts. Et ils sont... leur but, c'est d'aller vous enlever la coine avec un opinel euh, euh, mal aiguisé. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et il y a une véritable véritable, une véritable une dinguerie. Regardez, on en a parlé, j'ai été effaré de passer hier devant une station de service près de chez moi. Euh, ici, je ne sais pas, chez vous, dites-moi-le en commentaire. Mais aujourd'hui, euh, je crois que le, le, le SP98 est remonté au niveau à 2,02 2, euros, enfin un truc. Incroyable, incroyable. Ça y est, ça y est, on c'est est, euh, tombeau ouvert. quoi dire qu on, on, Allez, c'est parti, l'inflation a reculé, je ne sais pas, je ne veux pas trop reculer. Euh, le prix des carburants, c'est la même chose. On rappellera qu'il y a la TICPE, qu'on vous paye une taxe et sur la taxe, vous payez une TVA, donc vous payez une TVA sur la taxe de la taxe. C'est quand même formidable. Et on nous dit non, 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 c'est pour financer la transition énergétique, c'est pour financer la réindustrialisation. En fait, tout ça sont des mensonges, littéralement. Et en plus, le gouvernement, comme vous savez, l'inflation, qui gagne proportionnellement l'inflation euh, ben, quand le gouvernement vous avez une TV, une inflation plus forte, vous avez une tva plus forte. Donc, qui encaisse euh, en plus des distributeurs Eh ben, c'est euh, des, 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 des multinationales. et eh bien, bien entendu, c'est euh, le l'État qui encaisse, bien entendu, très, 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 très largement tout ça. Voilà. Donc, on se retrouve dans un truc. Complètement dingue, qui ne devrait pas nous étonner, en fait. Qui ne devrait pas nous étonner, mais ce qui est absolument dingue, c'est la vitesse et la violence avec laquelle ça s'abat sur nous. Véritablement. Puisque, comme les... la France est ruinée, moi, je pas de le dire, enfin, la France est ruinée, on voit au crash. Je ne suis pas le seul à dire, je suis pas économiste. Allez écouter Charles Gave, Philippe Murer, euh, Philippe Perlin, euh, Tom Benoit, allez écouter ce jeu, Olivier Delamarche, euh, Sylvain Tiger aussi, et d'autres hein, que j'oublie probablement. Mais euh, oui, la France est ruinée, concrètement, on ne passera pas. Charles Gatt disait récem euh, récemment dans une interview qu'on passera, ne passerait pas sous, 20, sous deux ans, on ne passerait pas. Dans les deux ans qui allaient arriver, ça va être le crash absolu. Et euh, je partage l'analyse de Charles, concrètement. Donc on se retrouve dans des trucs incroyables avec un pouvoir, vous avez vu Bruno Le Maire, euh, qui, euh, qui manifestement est content de lui-même. Il est content lui-même. Il dit qu'il y a le plein emploi euh, on n'est jamais arrivé aussi proche du plein emploi. Euh, le gouvernement a beaucoup travaillé pour la réindustrialisation du pays mais ces gens se moquent de nous mais, enfin, Bruno le maire il voit bien ce qui se passe alors, alors il voit pas il voit pas je ne sais pas mais manifestement on peut pas entendre ça on ne peut pas entendre ça je voulais vous faire écouter je voulais, je voulais vous faire écouter notamment une vidéo donc je donne ma source c'est chez, chez André Bercoff. c'était ce matin ou hier il y avait Charles Prats. écoutez ça dure 1 minute 40 écoutez ce que dit Charles Pratt, notamment sur la fraude sociale donc euh... On n'aura pas un politiques je... politique qui aura le courage de dire OK, là, on y va. Ouais, et objectivement, on pas beaucoup de courage politique. Hein. Il s'agit juste de dire OK, bon coup, on y va. Euh, moi, demain, Attal m'appelle il hein, a mon téléphone. Hein, donc, euh, il me dit bah voilà, euh, monsieur Prats euh, prenez la tête euh, d'une opération, euh, nettoyage, et puis allez-y, puis démerdez-vous pour essayer de trouver des économies, de trouver de la fraude et de faire en sorte. Moi, j'y vais, je m'en fous. Hein, je ne suis pas du bord politique d'Atal mais. Euh, euh, je suis d'abord un serviteur de l'État. Donc base. vous dites que c'est faisable, Charles Price. Mais bien sûr. demain, enfin, c'est faisable. Mais attendez, voilà. mais moi, là, vous voyez, on est quel jour là On est le 9 avril. On est le 9 avril. Euh, le 9 avril, demain, on m'appelle, euh, 1er mai, euh, je suis opérationnel, j'appelle qui il faut, je monte une équipe, hein, ou j'utilise les équipes qui sont là, et puis on y va. Et dans les six mois à un an, on va faire du boulot et puis on vous récupérera un peu de sous. Sécurisation des paiements de l'État pour éviter les fraudes comme on a connu pendant la période de Covid. Donc vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez évidemment travailler sur la, la fraude à la TVA. Donc, avec les utilisations logicielles précoces, hein, on n'invente rien, c'est des choses qui existent depuis déjà une dizaine d'années. Euh, la sécurisation de la base enfin, des assurés sociaux, évidemment là-dessus. Euh, sur la lutte contre la fraude sociale dans les, la branche famille ou dans la branche maladie, on peut y aller. Vous savez, sur la branche maladie, on parle beaucoup d'assurance maladie. Ouais. Euh, pareil, c'est des données de la Cour des comptes qui n'ont pas du tout été exploitées et les gens ont peu euh, vu ce, hein, ce qu'il y avait. Mais à l'époque, on était avant le Covid, la Cour des comptes nous expliquait que euh, 67 millions d'habitants, 66 800 000 bénéficiaires individuels de remboursement de soins. C'est-à-dire quasiment 100% de la population résidente, alors que dans les, sondages, ouais, voilà, ouais. dans les sondages, il y a 16% des gens qui ne vont pas voir le médecin chaque année. Donc, première fois qu'on avait une photographie un peu floue du tourisme médical. Et la Cour des comptes n'osait pas le dire, mais a quand même a écrit des données dans son rapport. Voilà, donc ça veut dire qu'on avait 15% des gens où on peut se questionner de savoir s'ils ne sont pas résidents, qu'est-ce qu'ils foutent à bénéficier de, de, euh, de remboursement d'assurance maladie. Pour se faire soigner. Et et ben voilà, ben, bah. donc si vous voulez, euh, moi j'arrive demain. Alors, je suis immédiatement opérationnel, alors que ce soit pour Gabriel Attal, que ce soit pour Jordan Bardella, pour Mais Marine Le Pen, pas. pour Laurent Vauquier, pour Valérie Pécresse, comme c'était prévu à l'époque, pour qui que ce soit, je m'en fiche. Là, ce qui compte, c'est de faire tourner l'État, c'est de sauvegarder l'argent public, et c'est notre pognon. Voilà, c'est notre pognon. Il faut toujours écouter Charles Pratt parce qu'il est redoutable là-dessus. Je vous invite à lire le cartel des fraudes. Euh, en fait, c'est ça, c'est génial parce qu'il vient nous taper dessus alors qu'il y a des énormités. On te... Il y a des milliards qui s'envolent tous les ans à cause de ça. Euh, il le dit, hein, on est 67 500 000, je crois à peu près, il y a 73 millions de cartes vitales actives. Concrètement, ça nous coûte un pognon de dingue. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir quand même, il va falloir quand même taper là où il faut, il va falloir quand même récupérer ce, que, ce qui part partout. Et on ne peut pas vivre comme ça en permanence. Mais ce qui est, ce qui est étrange, c'est que le gouvernement... Enfin, étrange, pas étrange, je dis ça. Mais de façon euh, humoristique, euh, on voit bien que le gouvernement a fait le choix de ne pas taper sur ses copains. Manifestement, les 1%, regardez les dividendes qui ont été versés. Euh, de, en deux ans, en fait, c'est absolument colossal évidemment, des grands groupes. Euh, moi, je veux bien qu'il y ait des grands groupes français qui gagnent beaucoup d'argent parce que ça nous permet d'exporter. Mais manifestement, euh, manifestement, il y a quand même pas mal d'optimisation fiscale. Et manifestement, euh, il y a des cadeaux qui sont faits. Et manifestement, euh, ceux qui doivent euh, renflouer les caisses, ce sont nous. Euh, et puis après, il y a le problème de la fraude sociale aussi. Il y a le problème de le coût de la fraude sociale, le problème de coût des gens euh, qui sont soignés euh, par Monts et par L'hôpital public est à la coine, l'hôpital public est en train de s'effondrer, il y a de moins en moins d'infirmières, des aides-soignantes, des chirurgiens pour certains partants privés, il y a un problème de formation aussi des médecins, des déserts médicaux. Euh, J'ai été confronté récemment pour trouver un médecin, enfin c'est euh, pas grave, mais pour un spécialiste c'est trois, quatre mois ici dans les roues, 5 mois pratiquement. Enfin, on ne peut, peut pas faire face comme ça, surtout, surtout quand vous êtes imposé, surtout quand vous donnez beaucoup d'argent, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur indépendant. Euh, euh, eh bien, bien entendu, vous, quand vous êtes imposé soit par euh, le, votre centre des impôts, soit par l'URSSAF qui collecte, bien entendu, pour les, les professionnels, du moins les TPE, PME et, et entrepreneurs <coughs> et entreprises, au, à la valeur de ce que vous donnez, vous attendez en retour, en retour d'avoir quelque chose qui tient un peu la route, c'est-à-dire d'être pris euh, par, euh, dans le cadre de la santé, être pris en charge, si jamais il faut être pris en charge, ou avoir service public qui fonctionne, avoir… Enfin, toute une série de choses qui tombent sous le sens. voilà. Mais là, non, manifestement, euh, cet État, on voit bien que l'État est en train de s'effondrer, pardon, que le pays est en train de s'effondrer. Et ce qui est terrifiant, ce qui est terrifiant, c'est que vous avez Bruno Le Maire qui continue à acclamer haut et fort partout, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les télévisions et les radios, que tout va bien, qu'ils vont maintenir le cap parce que la politique donne des, 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 des effets. Leur politique est bénéfique, mais elle est bénéfique à qui à qui elle est bénéfique On a un homme de chômeur. Le, le, le taux de chômage il est caviardé. On le sait. Votre taux de chômage est caviardé. Il est absolument caviardé. Vous licenciez les gens en France. En France, euh, ça s'appelle France Travail pour l'emploi. France Chômage. J'appelle ça France Chômage. J'ai reçu euh, Yann Godin il y a dix jours de ça. Regardez l'interview de Yann Godin sur Coach Live. Regardez. Mettez-vous là de côté la vidéo et regardez-la. Vous allez voir ce que dit Yann Gaudin sur, la, sur euh, France Travail. C'est absolument incroyable, vous mettez les gens au chômage concrètement, vous mettez les gens en formation, vous les avez virés vous les poussez à se mettre auto-entrepreneurs parce que quand vous êtes entrepreneur vous sortez les chiffres du chômage vous sortez les chiffres du chômage donc finalement on vous dit il y a eu des créations d'entreprises, des créations d'emplois. mais un auto-entrepreneur c'est pas un emploi un auto-entrepreneur c'est pas un emploi c'est pas un emploi du tout un auto-entrepreneur, le salaire médian de entrepreneur en France, et je suis persuadé qu'il y en a parmi vous dites moi là en commentaire j'avais lu que c'était 476 ou 496 euros médian par mois. Vous pensez véritablement qu'on vit aujourd'hui à 496 euros par mois enfin, Tout ça est absolument délirant. Nous avons un euh, gouvernement de fanfarons, de fanfaron qui continue à fanfaronner. C'est le cas sur la sécurité avec Darmanin, c'est pareil, à peu près sur tous les volets. Euh, de, 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 du gouvernement il n'a pas un qui tient la route je ne parlerai même pas de notre ministre académicien Stéphane Séjourné qui est ministre des, affaires, des, ministre des affaires qui sont très étrangères parce que lui il est vraiment très étranger aux affaires qu'il traite euh, et on voit ce pays à petit à petit s'effondrer nous sommes ridicules sur la scène internationale Emmanuel Macron s'est fait virer de partout on s'est fait virer d'Afrique on s'est fait virer de partout dès qu'il déclare un truc personne n'est d'accord avec lui euh, notamment sur l'envoi des troupes en Ukraine il faudra que j'envoie des mecs là-bas avec il dit en privé, il y a trois semaines de ça, après ces fameuses déclarations, euh, il n'est pas foutu, je l'ai déjà dit, de renvoyer 10 au QTF en France, de l'autre côté de la Méditerranée. Par contre, il veut aller faire la guerre à, à Poutine. On est quand même sur un niveau un niveau de réalité qui me semble un peu, un peu effroyable. Voilà, donc on se retrouve là-dedans. Mais le problème, c'est que c'est toujours, toujours les Français, finalement, qui continuent, qui vont payer l'addition qui est de plus en plus salée. Et puis, vous avez la perspective des élections européennes du 9 juin et avec une commission européenne en roue libre. J'ai reçu Xavier Zalbert cette semaine, lundi soir, pour nous parler de la suite des affaires d'Ursula von der c'est absolument colossal avec le Parc européen. Je vous invite à aller voir cette vidéo avec Xavier. L'enquête de Xavier Zalbert sur François est colossale. C'est dingue ce qu'il raconte, Xavier. Il faut l'écouter, cette vidéo. Il va vous expliquer. Il explique vraiment. Donc, on se retrouve dans, avec euh, des institutions européennes euh, à première vue corrompues. Vous avez quand même un quart des députés européens, je vous l'ai déjà dit. C'est une enquête de Follow the Money. C'est plusieurs médias qui ont fait les, qui ont fait une grande enquête là-dessus plus d'un quart des députés européens sont dans des affaires de corruption, de menaces de mort, de vol, de vol, de vol, de vol. Enfin, c'est on est chez les fous. Voilà, et la seule perspective que ces gens nous offrent, c'est ah ben allez à voter le 9 juin, vous allez voir, on va changer l'Europe, mais on va changer quelle Europe en fait ça fait 40 ans qu'on nous vend de changer l'Europe. En fait, tout ça n'est pas sérieux et tout ça est dramatique parce que ça, ça ne serait pas sérieux, on pourrait en rigoler. Mais là, c'est dramatique. Donc, nous nous retrouvons là-dessus, euh, dans cette situation absolument pathétique, dangereuse euh, et qui, une nouvelle fois, euh, pour le dire, qui nous touche tous, bien entendu, euh, que ça soit... Euh, que ce soit sur les taxes sur les rentes, parce qu'un jour, ça va tomber sur la tronche. Euh, les loyers fictifs, je vous invite, je réinsiste, les amis, allez lire l'interview d'Alain Falento sur Pouch Media. Il vous en parle très précisément. Il vous dit ce qu'attendent les propriétaires occupants. Si vous êtes propriétaire occupant aujourd'hui, dire que votre maison vous appartient, votre appartement vous appartient et que vous vivez dedans. Allez dans l'interview d'Alen Falento, c'est la première interview qu'il donne sur ce sujet, et c'est flippant. Je crois qu'on était les premiers sur Putch à parler de ces loyers fictifs. Vous allez voir, c'est absolument dingue. Euh, c'est absolument dingue cette histoire. Euh, c'est très inquiétant et, et il faut avoir conscience de ça. Véritablement. Et voilà. Et c'est notre boulot, nous, euh, chez Poutch et chez les autres euh, médias amis, quelles que soient nos obédiences politiques, euh, de vous donner ces informations, de vous donner, de vous permettre d'avoir des interviews là-dessus euh, de gens extrêmement divers et variés. Et c'est notre boulot de faire ça. Voilà. Donc, je voulais qu'on qu en parle euh, ce soir sur les taxes sur les rendements, le licenciement potentiel, probable, hypothétique, je n'en sais rien des fonctionnaires, euh, bien entendu la dette, les déclarations de Bruno Le Maire, et je voulais qu'on parle de tout ça, parce que la réforme d'assurance chômage, on en a parlé aussi, euh, je plains aujourd'hui bah déjà, euh, avec euh, la situation économique du pays, même étant salarié, c'est très compliqué, je le sais, vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous le dire, et on le voit aussi, nous, c'est très compliqué, bien entendu. Et finalement, on se rend compte que c'est de plus, plus, euh, de plus en plus tragique. Et euh, ce qui est tragique, c'est que les élections européennes ne sont pas une source d'espoir pour beaucoup de Français. Euh, et, puis, et, puis, et puis, certains partis continuent à nous dire que grâce aux élections européennes, le pouvoir politique français changera et qu'il y aura forcément une... Euh, il y, aura, il y aura une influence élection européenne sur notre destin national. Ah oui, mais je pense qu'il le sera, mais alors ce sera tragique. Voilà un peu. En tout cas, euh, merci beaucoup de nous avoir, avoir suivis ce soir, hein, chers amis, euh, pour ce débrief politique. Euh, merci beaucoup. N'hésitez pas, vous le savez, n'hésitez hein, pas à nous faire un don. C'est extrêmement important. Je vous le dis en permanence, mais n'hésitez pas à nous donner parce que la censure fait de plus en plus mal. Vous avez, si vous nous regardez sur YouTube, vous avez tous les liens en bas. Vous nous pouvez faire un don par chèque. Vous pouvez nous faire un don par. Euh, par PayPal, par Tipeee, par Stripe aussi également. N'hésitez pas, et le meilleur, le mieux, c'est de vous abonner à Pouch.media. On a pas mal, on a plus de 10 300 articles en ligne. On en sort tous les jours avec pas mal de vidéos, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à Pouch.media, à nous soutenir parce qu'on en a vraiment besoin. Euh, voilà, Même, je sais que c'est compliqué, même à 1 euro c'est toujours bien. Même 1 euro ça nous fait beaucoup de bien parce que la censure frappe fort. Et je vous dis qu'avec ce délit d'outrage en ligne et toutes ces lois, réglementations, injures non publiques qui sortent, pour nous euh, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est de plus en plus euh, assiégé et c'est grâce à vous parce qu'on continue parce que des gens comme vous nous aident, nous soutiennent, partagent nos vidéos, s'abonnent à nos chaînes YouTube et que ça permet effectivement de renforcer la communauté et de pouvoir faire, faire puissance et surtout de vous informer, dans, de vous informer et chaque jour plus nombreux. Et ça, c'est extrêmement important parce que euh, déjà l'information et avoir conscience des choses, c'est déjà le début. Vous le savez, c'est la citoyenneté, c'est ce qui peut nous sauver. En tout cas, chers amis, moi j'ai été très content ce soir de, euh, de euh, vous avoir en débrief politique. On se retrouve dès lundi soir prochain. Sachez, oui, j'allais oublier. J'allais oublier vendredi matin, je suis sur Toxin, Vous savez, c'est ma, la matinale que j'anime le vendredi matin. Le, le Clément Soudiakova le fait elle du lundi au jeudi. Et moi, c'est vendredi. Super programme. Vous allez voir, je reçois le juge Albert Lévy, qui va nous parler notamment du, du délit d'outrage en ligne et surtout cet, cet étrange arrêté euh, qui permettrait à des certains policiers, certains gendarmes, d'agir sous faux nom euh, à, à, à but de renseignement. Albert Lévy, on encore un grand entretien, le juge Albert, l'ancien magistrat Albert Lévy. On recevra aussi maître journou sur la cryptomonnaie. Vous allez voir, ai fait je fait vraiment que vous voulez en parler. Est-ce qu'il va nous dire si la cryptomonnaie, c'est, c'est intéressant? Et est-ce que ça pourrait être une façon de se débancariser? Donc, je recevrai, bien entendu. On recevra aussi Jean-Claude Poizat sur Prostèque. C'est un, c'est un livre extrêmement intéressant sur, sur la viande, le rapport à la viande des végans, tout ça. Enfin, voilà, cette espèce de de, 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 combat en ce moment qui combat culturel qui est en train de se mettre en place de ceux qui veulent pas manger de viande. Ce enfin, voilà, c'est, intéressant. Et puis après, je décidais de recevoir Jean-Frédéric Poisson, pas parce qu'il est soutien de Florian Philippot, mais parce que je le trouve tout à propos pour parler de la droite populaire. Est-ce que la droite populaire en France existe toujours Est-ce que et on va en discuter là-dessus la droite populaire Est-ce qu'il y a une droite populaire qui est là pour défendre son peuple, euh, la protéger de mondialisation, la pro protéger du néolibéralisme, la protéger de la Commission européenne, la protéger de l'Union européenne et notamment de l'immigration À voir. C'est une question que je vais poser à Jean-Frédéric Poisson dans le grand entretien vendredi matin de tocsin Vous allez voir, je pense que c'est vraiment un, un, un très bon invité pour parler de ça. Donc grosse matinale. Euh, vendredi matin, 7h30, 9h30. On se retrouve et nous sur Twitch Live dès lundi soir à 18h. De nouveaux invités, vous le savez, trois émissions par semaine, on a une cadence d'enfer. En tout cas, merci de grâce à vous et merci de nous suivre. Et n'hésitez pas, je vous le redis, à, 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 à nous aider, à nous aider, à nous aider, à nous aider, à nous soutenir. C'est très important, on a besoin de vous, parce que si vous nous aidez plus, eh bien, un jour on disparaîtra. Vous le savez, c'est comme ça malheureusement que ça se passe. Mais pour l'instant, merci à ceux qui nous donnent, merci à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui ont acheté mon livre. Euh, Lettre aux autruches au du merci beaucoup vous m'avez euh, vraiment fait chaud au cœur allez sur ce je vous souhaite une excellente soirée euh, une bonne fin de semaine retrouvez-moi sur Toxin vendredi matin à 7h30 d'ici là bye bye vive la démocratie salut ciao